Et re-bienvenue sur le LP, épisode si je me trompe pas 8. Je le tente juste à la suite de celui de l'année en dragon, donc je n'aurais pas eu vos retours. En tout cas aujourd'hui, vous l'avez vu ici, on a 68 levels. On va s'attarder un peu sur les enchantements. Alors je vais vous présenter le stuff que j'ai déjà. Alors au niveau des pioches, bon voilà, FNC4 en Breaking 3. Bon, c'est une pioche pour miner normal. Là j'ai une pioche vraiment pas mal avec Sylda, je remets en plus. Là pour la fortune, et on va la prendre puisqu'on en aura besoin. Voilà. Alors, épée. Une épée renommée, et ça c'est juste the best épée possible quoi. Et je l'ai eu très facilement comme quoi les enchantements maintenant c'est devenu très difficile. Enfin bref. Ensuite j'ai eu une autre que j'ai ça c'est un seul enchantement, level 30. Donc ça niveau épée et pioche pour l'instant je suis pareil quoi. Juste peut-être une FNC 5 pour mettre là-dessus, enfin FNC 4 pour combiner avec ça, mais bon, pas grand chose. Ensuite le tombeau pour 5 les 1 Breaking 3 Punch 2, il manque juste Infinity 1. La hache Breaking 3 FNC 5, j'aimerais bien peut-être un petit ouais, fortune je pense, enfin je sais pas, ouais, un fortune je pense quand même pour si jamais un jour, enfin, chaque fois que je coupe des arbres, genre je coupe une feuille sans faire gaffe, bah, au moins il saisit la fortune 3. Bon, c'est vraiment pour être pour perfectionner le tout, mais bon. J'aime bien le nom, enfin, bref. La tondeuse folle, j'aimerais exactement la même mais avec fortune 3, parce que par exemple, pour voilà, la clé, c'est très bien ça, sauf que ça mine avec Sildash, donc il faut une fortune 3 pour avoir plus de clay. Et un petit chestplate pour l'instant. Donc on va essayer d'avoir tout le reste. Juste on va dormir. Et je vais vous montrer les minerais que j'avais minés la dernière fois. Allez! Oh dodo! J'ai un mouton. Allez! C'est nuit dehors. Bon. Maintenant on va montrer les... Bon, le charbon je risque plus d'être moins, il faudra plutôt que je mine. Je pense que je le ferai pour gagner quelques levels pour faire encore plus d'enchantements level 30. La lapis ça ira. Le fer j'ai tout fait cuire. La stone et ça diamond. Ça va être cool. Je vais en prendre que la moitié pour l'instant pour miner avec fortune. Si... Enfin, même que quelques-uns pour l'instant. Juste histoire, il me manque 3 diamants normalement. Puis on va essayer de se faire une petite canne à pêche aussi. Et j'enchante des livres au cas où. Je vais vous montrer, donc il y a vraiment une technique à avoir hein, donc en snapshot, enfin ce sera maintenant à partir de toutes les versions après 1.7 quoi, donc toutes les snapshots plus les plus 1.8 tout ça, et puis l'enchantement a été changé, on va juste voilà, celui-là, genre j'en ai eu 4, genre je me suis fait complètement, oui j'ai du quartz aussi miné. Voilà, on va prendre juste quelques. Oui, donc il est vraiment, enfin moi j'ai trouvé une technique qui est vraiment pas mal. Après vous adoptez la vôtre, c'est à vous de choisir, mais moi, je trouve que la mienne est vraiment bien. Oui, aussi mettre le petit smite 5 si en épée, si il manque un truc, c'est une épée smite 5 pour pouvoir tuer les enders, tout ça. J'ai déjà un petit livre smite 4 et j'ai un livre faisa folie 4 pour les potes aussi. Donc la technique c'est que vous prenez bon, évidemment du lapis, ça on va en prendre même un stack puisque on va en avoir besoin de beaucoup, puis vous prenez tous les objets que vous avez envie d'enchanter. Je parle pour le level 30, bon après ça marche aussi pour le level 1 mais ça change pas grand chose. Et puis vous les mettez dans votre table enchante et vous regardez, la FNC 3 ça m'intéresse pas. Breaking 3 sur l'épée ça m'intéresse pas. Power 3 ça m'intéresse pas. FNC 3 non plus. Celle-ci 3 non plus. Situation 3 à la limite. Unbreaking 3 non, parce que je préfère enchanter directement avec du P4 pour être sûr. Ça, lure 2, c'est nul. Protection 3. Donc, je sais pas si j'enchante le casque. Respiration 3. Ouais, ce sera bien quand même, comme ça on pourra le combiner plus tard. Et donc vous enchantez votre objet. Voilà. Bon. C'est un jeu projectile protection avec, mais... Ce sera quand même pas mal. On pourra le combiner. On va juste... Bon, je vais prendre quelques minerais de diamants en plus parce que je vais en avoir besoin.
ramener quelques-uns. Voilà, ça fera quelques diams. On va se recrafter un petit casque. Aujourd'hui, on va utiliser du diams. Voilà, ça c'est fait. Et donc ensuite, tous les enchantements des autres objets auront été changés. C'est-à-dire que maintenant, parce que si vous voyez, si je mets cet objet-là, donc maintenant il me propose un breaking 3, et que je le remets, il va toujours me proposer la même chose. Même en déplaçant la table d'enchant, enfin, ça sera toujours la même chose. Le seul moyen de changer, c'est de faire un autre enchantement. Donc si vous avez vraiment pas envie de faire un enchant level 30 ou quoi, bah vous faites un enchant level 1 par exemple, et ça va remover tous les enchantements prédéfinis de tous les objets non enchantés évidemment. Donc c'est comme ça que bah là breaking 3 ça m'intéresse pas, et vous faites comme ça jusqu'à ce que vous, et du coup à chaque fois vous avez les objets qui vous intéressent. Là non, protection 4 ça peut vachement m'intéresser. Protection 4 Breaking 3, bon ça, vu que j'ai des protections 4, on s'en fout. Vous savez quoi, on va continuer à faire le casque, tant qu'on est là. Parfait, protection 4. Je vais juste voir combien ça coûte à combiner. Il ne manquera plus qu'un petit Breaking 3, et ça fera l'affaire. Certes, je vais prendre beaucoup de... ça va utiliser beaucoup de diamants, là. Et dans l'autre sens... un level. Ah oui, mais... si je veux garder le protection 4. Ok, du coup ça je le sais, je le ferai tout à l'heure. Je vais me refaire encore un petit dernier casque. Ouais, là je prends, enfin après j'ai pas eu trop de chance encore là, mais bon, j'essaye vraiment. F564 ça peut m'intéresser, mais ça dépend ce que j'ai failli respecter. C'est des bons enchantes, mais bon, si on n'est pas utilité pour l'instant, ça je m'en fous. Respiration 3 non, fire protection 3 non, Breaking 3 non, Lure 2 non, F564 non. On va prendre pour F564 si on va le mettre sur le truc, sur le bouquin, comme ça au moins je gaspille pas des diams. Oh là là, parfait. Je vais combiner ça à mon autre livre Smite. Ouais, je l'avais. Non, je l'avais pas pris. Oh, mais ça va coûter une fortune. Combiner ça. Quoi, il y a Fire Aspect 2. Putain, ce livre. Eh non, je pense que j'attendrai d'avoir un... entre les deux. Parce que je pense que les épées, on peut pas avoir Smite 5 directement, on peut avoir Smite 4 seulement. D'ailleurs, je vais me rendre juste un livre. On peut avoir que Smite 4. Mais vous voyez, là j'ai fait que 3 enchantes level 30. Et vous voyez tout le level que j'ai avec un Under Dragon, vous faites un stuff complet, ça va être... enfin, je vais avoir un stuff cheaté après, surtout vu tous les minerais que j'ai encore amenés, enfin bref. Ouais, je pense que je vais garder ce livre quand même. Enfin, je vais utiliser celui-là pour faire le... ouais, mais j'ai 64 aussi dessus. Le faire aspect, de toute façon les deux je m'en... C'est difficile à dire, mais je m'en fous en fait de ces deux livres. Enfin bref, on va voir ce qu'on me propose. Un Breaking 3, je m'en fiche. Fire Aspect 2, je m'en fiche toujours. Flame 1, j'en ai plein, des flames. Breaking 3, pas besoin. Aquafinity 1, on s'en fout. Pour l'instant, vous remarquerez que je fais pas les combinaisons, parce que ça coûte énormément de level. Et ça, on peut le faire avec les levels qui s'obtiennent facilement au départ. Affinity 1, parfait, parfait. Ok, ça va coûter combien à rajouter sur mon casque? Sur mon casque, n'importe quoi. J'étais parti dans le délire du casque. Oui, désolé, j'ai découpé. Donc, non, ça coûtera 7. Ok, 7 pour faire The Best Arc, quoi. Ok. Ça, c'est bien. On va juste reprendre. Ça, on va mettre là. Trop de livres. On va reprendre justement un livre. On va voir qu'est-ce qui va être bien. Fortune 3, j'en ai déjà, dommage. Bac 2. Flame 1. De toute façon, l'arc, maintenant, j'en ai plus dedans. Fortune 3, ça peut être cool. Fortune 3, oh, ça signe sur la pelle.
La protection 3 en fond. La protection 3 en fond. Projectile protection 4. Lueur 2. Ok, on va faire l'appel, je pense. Ok, juste faire une 3, c'est déjà ça. On va poser le petit arc qui ne sert plus à rien. Des pêches, on est en rabat, non. On va reprendre du bois pour faire un peu de style, puisque j'en ai plus. Hop. Voilà. Et on va continuer les pistes d'enchant. Alors. Excusez-moi. Sharpness 3. On s'en fout, ça on s'en fout. Breaking 3. Ouais, on verra. Breaking 3. Un Breaking 3, c'est le seul truc qui me manque, je pense. Breaking 3, ok. Vous savez quoi, on va faire le casque, comme ça il sera fini. Bon. Du coup, si je fais mon respiration 3 là. Si je fais juste ça. Ça c'est bon, ça coûte que 19. Bon, j'aurai celui-là en trop du coup. Ok. Donc j'aurai ça comme il est. Lui, il sera en trop. Voilà. Ça c'est fait déjà. Et vous voyez, on est que level 50. Hein. Donc le casque, plus besoin. C'est bien, vous voyez, les items qu'on a à faire petit à petit. J'aimerais bien l'utile touch. C'est possible. Sensi 4, ouais, on verra. Smite 4, ah là ça devient intéressant. Sensi 4. Sensi 4, ouais, bon, c'est toujours pareil. Fire Protect. Breaking 3. Breaking 3. Ok, on va tenter le Smite 4. Breaking 3, parfait. Si je me fais ça avec n'importe quel livre, quoi. Ah bah ouais. Ça y a Fire Aspect avec, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ça coûtera 7. Bon, parfait. On fera ça. Celui-là, du coup, je le garderai pour mettre avec ma pioche. Ouais, parfait. Du coup, une pioche en game sans trop. Ok, ça, je le mettrai avec ça. Parfait. Et voilà, ça commence à faire plein d'items de fées. Il ne reste plus grand chose à faire. J'ai juste regardé. Et puis, je sais pas si je couperai un moment. Au pire, je ferai un bilan à la fin de toute façon. Ok, ça c'est bon. Ça c'est pas encore ce qu'on va en faire. Donc après on aura beaucoup de combinaisons à faire, mais les combinaisons c'est pas grand chose quoi. Nous reste efficiency 4, ouais. On s'en fiche, c'est efficiency 4, ok. Protection 3, on s'en fout. C'est vers la fin, quand vous avez plus beaucoup d'items enchantés, que ça devient un peu chiant. Bon, on va enchanter ça. Efficiency 4, ouais. J'aimerais bien une efficiency 4 en Breaking 3, comme ça au prochain. Je vais me faire l'appel que je voulais. Ok. Breaking 3, on s'en fout. Breaking 3, ouais. On va voir selon les autres. Section 3, j'aimerais bien un petit tente quand même. Section 3, c'est quoi? Bon, on va tester l'appel quand même. Ce qui est une Breaking 3. Section 6, 3, putain, ça fait chier. Parce que là. Ou alors je prends mon livre pour ça. Ouais mais non. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Je vais recrater une. Vous savez quoi? Et pas un diamant près. Ce serait un plastron, je dirais. Ouais, sachant que le tend, ouais.
J'ai vraiment envie d'avoir un truc du temps de bien avancer, mais le temps, si vous l'avez sur un élément d'armure, ça s'affecte sur toute l'armure, je crois. Donc, la cause de ci 2. Cause de ci 2, c'est le max, je crois. On peut pas avoir 3. Donc, on va le faire. Lure 2, la cause de ci 2. Ok. On va s'en faire une petite canne à pêche. Commence à avoir plein d'items. Ça c'est plutôt cool et j'ai pris un fil de tronc. FNC4, toujours pas de fortune 3, ça veut pas je crois. On a l'FNC4 hein, bon, pour l'appel au cas où. Breaking 3, Breaking 3 c'est bon. Smite 4. On s'ira. Donc on va faire ça, on va faire l'appel. Bon, parce que là on a quand même pas mal de pelles. On a concrètement on a ça. Putain. Mais y a pas de. On va garder la fortune en trop. Et je combinerai ces trois là. Ça va certes coûter un peu cher, mais c'est pas grave. Ok. Ah bah fortune 3. J'ai l'impression que c'est plutôt rare. On va essayer de le faire. Fortune 3. La cause aussi 2. Chance. Ok, bon, on va le faire de toute façon. On n'aura plus qu'à combiner avec notre hache déjà existante. Voilà. Ce sera fait. Comme ça, à côté de level, on va juste regarder. Vite fait, on arrive déjà à pas mal de d'enchant là. Ah bah, il va nous rester plus grand chose, je vais devoir partir miner. Ça va nous coûter combien? 22 ou 14. 14, je renommerai. Je l'ai déjà utilisé. Blast protection 4, j'aimerais bien un petit protection 4 quand même. Avec une 3, on va faire ça, je pense. Ou protection 4, ça je prends. Ok, ça c'est bon. J'avais dit... Ah, il y avait que ça. Ok, on va aller... On va se faire un petit coffre spécial. Et moi je vais miner du minerai. Et je vous retrouve quand c'est fait. On va creuser un petit coffre. Parce que voilà. Voilà, comme ça on pourra reprendre tout notre inventaire tel qu'il était. Bref, je vais miner du minerai et je reviens après quand j'ai un peu plus de level. Enfin, surtout que je vais prendre plein de minerai et je vais les miner. Je vais miner tous mes diamants. Je vais les miner. Enfin, je vais faire à chaque fois 3 levels quoi. Donc je vous reprends juste pour les enchantes à chaque fois. Allez, tout de suite. Et je vous montrerai le résultat de mes minerais à la fin. Ok, on va juste refaire une petite enchante. Oui, j'ai miné tout le diamant, ça fait du bien. Breaking 3, Breaking 3, Breaking 3, bah on va faire le Breaking 3 sur ça. Bon bah, si en fait il y avait plus que ça, celle-là elle va partir à la poubelle. Celle-là, bah c'est juste le meilleur truc je crois, pour pas avoir mieux. Voilà, on a notre canne à pêche. Déjà ça. Que je me passe une houe. Enfin bref, je remine un peu, on se retrouve juste après. J'aimerais vraiment bien avoir du protection 4 sur ça quand même. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en livre. Regardez juste pour après. Ok. Ah, protection 4, ça va faire du bien. Protection 4. Étant donné que... Enfin bref, je vais voir sur quoi je le fais, je vais y réfléchir. Je sais pas si je fais sur... les leggings ou sur les diamond boots. On va voir. Alors, bref, encore. Bon. On va voir un peu. J'ai mis quelques minerais. On va voir un peu sur quoi on fait. Bon, je prends toute la piste qu'à faire.
sur confiance en chance, j'hésite encore. C'est quoi, on va le faire sur les bottes, comme ça on aura fini toutes les bottes. Ok, il y a une breaking 3 avec, donc c'est parfait. J'aurais juste à mettre le petit bouquin Feather Falling. La protection cage est déjà pour ça. Donc j'aurais juste à trouver du Unbreaking 3 pour le pantalon. Et après il me faudra un Thorns pour le reste. Donc après j'aurai tout fini. Bref, je continue à faire des minerais et je vous retrouve juste après. Et enfin, j'ai réussi à avoir mon pantalon. pantalon protection cage. Oui, parce que bah j'ai essayé d'enchanter, mais il restait plus que le livre et le pantalon. Et du coup, le protection cage j'ai pas utilisé et j'ai eu un pouvoir 4 en plus. Et ça m'a proposé protection 4, j'ai enchanté protection 4 en breaking 3. Donc est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est juste super. Puis maintenant bah, on va passer. Après ça j'ai dû faire un autre double coffre pour les ressources. Parce que bon voilà. On va passer aux petites combinaisons. On va commencer. De toute façon on va tout faire, donc on va commencer comme ça. On a bien notre protection. Breaking et respiration. Ok. Qu'est-ce qui coûte vraiment le plus cher? On va voir. Ça c'est 19. L'arc je sais que c'est moins. Ça c'est moins aussi j'imagine. 9. De toute façon on va tout prendre avec nous. On va le trier par ordre. C'est moins, ça c'est moins. Ah. Pourquoi tu te tries comme ça? Wow. Voilà. Ceux-là, ils sont déjà prêts. Ok. Donc, ça, on a dit, c'était 19 levels, plus ça. Ça, 9. Ok. Ça, 7. Ok. 5 pour avoir... 5, ok. 22. Oui, mais non, c'est dans ce sens-là. 15, puisqu'il faut renommer en même temps. 4. Bon, bah, on va faire celui-là, alors. Et tant qu'à faire, on va renommer en même temps. Ah oui, si j'avais un nom. Oui, j'ai pensé à ça. Pendant que je cassais du minerai. Donc du coup on a notre superbe casque. On va juste. Enfin, ça coûte 2 rajouter à quoi Vinci 3. Ok, il y avait un truc qui coûtait 7, ça coûtait 7. Ah, parfait. Parfait. Donc. On va poser ça là. Je ferai un petit récapitulatif à la fin. Et moi je vous retrouve après. Ouais, je vais vous épargner tous les trucs. Donc on se retrouve vraiment à la fin pour faire le bilan de tout notre stuff. Moi j'aurais juste pas eu mes cisailles s'il touch. Bon, je regarderai dès que j'aurai 30 level pour avoir des livres s'il touch. Enfin bon, je vais voir, ça va aller vite en tout cas. Et puis je vais vous montrer tout le stuff qu'on a là. Franchement avec le niveau de l'Ender Dragon ça a vraiment fait énormément de choses. Sachant que pour l'instant j'ai juste miné le diams, l'émeraude, ce qui n'est pratiquement rien, plus la redstone. Là il me reste tout le lapis qui donne énormément d'XP, plus tout ça de charbon. Donc ça risque. Là, rendez-vous compte qu'il y avait quand même que 3 stacks de blocs de redstone. Regardez ce qu'il y a de charbon. Certes, ça en donne moins, mais quand même. Enfin bref. Je vous retrouve à la fin pour faire le bilan sur tous les minerais et les enchantements qu'on a fait aujourd'hui. Et après je sais pas du tout combien de temps on en est. Et je vais voir. Peut-être je vais avancer à la maison. Enfin non ouais non, je vais aller. On va peut-être faire autre chose dans cet épisode, on verra bien. En tout cas, je vous retrouve juste après. Et on se retrouve pour la fin de l'épisode. Alors, attention. J'ai tout combiné. Bam. Donc alors, en pioche, qu'est-ce qu'on a? Les pioches, on n'a pas rajouté grand chose, hein. On a juste réparé celle-ci. Donc on a FNC 5 et Breaking 3 partout avec Siltature sur celle-là, Fortune 3 sur celle-là. C'est la première. Comme épée, on a une petite épée pour se trimballer où on veut. Et une épée pour les Wither.
Donc ça c'est vachement cool. Comme arc, on a notre arc, super. Comme hache, on a ça. Celle-ci, 5, fortune, 3, nous récompense 3. Comme pelle, on a celle-ci, avec Steel Touch, et la même avec fortune 3. Comme casque, on a du bon truc quand même. Protection 4, on récompense 3, respiration 3, confetti 1. Et le reste, c'est du protection 4, on récompense 3. Et là, protection 4, on récompense 3, feather falling 4. Je n'ai pas mis de tente finalement, parce que bon, ça n'a pas une très grande utilité, on va pas se le cacher. En PVP à la limite, mais bon, là, pas très grande utilité. Donc, voilà, on a enfin le stuff. Bah, bon, c'est presque le stuff parfait, quoi. Plus que ça, on peut pas mettre grand chose à part du tente là-dessus. On peut pas ajouter grand chose. Et oui, attention, la petite canne à pêche. Qui va bien, bon voilà. Après, juste je voulais renommer, mais j'ai pas d'idée de nom, mais j'ai pas envie de les appeler n'importe comment. Donc si vous avez des idées pour cette épée là, pour combattre les wizards, cette pelle là, les trois éléments d'armure qui sont ici et la fishing rod, voilà. En tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir, maintenant j'ai du super mon stuff. Je le porterai une fois que j'aurai renommé cela. Et pardon, donc je disais, si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas. Pour que je puisse renommer toutes mes pièces d'armure et d'outils. Et donc dans le prochain épisode, on va peut-être essayer... Ouais, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on chassera au moins les têtes des wizards. Se le faire dans le prochain, je sais pas, peut-être pas. Et je pense qu'on ira juste... J'assais les têtes de wizard et qu'on fera le chemin pour accéder à la maison. Et après on fera le wizard et après j'aimerais transférer tous mes coffres là-haut et m'attarder un peu sur la pêche. Puisque là, ça va être là, ça le prochain gros projet. Puisque pour l'instant on n'a pas trop regardé la pêche. Juste pour vous montrer tous les minerais que j'ai récoltés. Avec tous les minerais que j'avais pour gagner des levels. Alors attention, on va regarder ce coffre là d'abord. Bon voilà, le niveau charbon, la piste il y en a encore dans le coffre. Et niveau charbon ça va aller, surtout que j'ai encore tout ça à miner. En fait chaque stack ça me fait à peu près, environ 2 stacks de ça, ça me fait 5 stacks environ. Donc ça fait pas mal quoi, ça fait 2 stacks et demi par stack, donc voilà. Et là, attention, bam, les diamants, voilà, je suis arrivé trop en rade, émeraude j'en ai beaucoup aussi, redstone, bon ça j'en ai déjà, et voilà. Donc moi je vais m'occuper de mettre tout ça en bloc et puis travailler un peu sur le design de... Ouais, essayer de faire la montée, je pense que je la ferai. Bon, je virerai les moutons. Et je me débrouille. Ouais, en plus il faut un bruit horrible. Bref. Ouais, pour faire la montée par ici. Qui peut être vraiment pas mal. Pour accéder à la maison, puisque maintenant, pour l'instant on est obligé d'y aller un peu... comme on peut et pouvoir arriver ici avec plein de coffres partout ici, parce que j'ai pas encore celle des coffres, ça ne saurait tarder. Et puis voilà quoi, on est déjà bien. Donc je vous dis à la prochaine, moi pour un prochain épisode. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus? Le rythme des vidéos pendant les vacances. Normalement, vous devriez en avoir... Enfin, je devrais continuer à pouvoir en faire pendant la première semaine. Mais pas pendant la deuxième. Donc, on verra bien. Je vous ferai sûrement une vidéo annonce pour ça. Enfin bref, en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode du LP. Où on fera cette montée. Et on préparera le Wizard. Allez, à la prochaine.